Vague d'attaque, bien sûr une édition spéciale avec tous nos envoyés spéciaux, mais tout de suite le point sur la situation militaire à l'heure qu'il est avec Gauthier Ribinski. Les images que vous voyez sont celles des chasseurs et bombardiers américains, britanniques et français qui ont participé à ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de plus gros raid aérien de l'histoire. 18 000 tonnes d'explosifs auraient été larguées sur l'Irak depuis cette nuit, 1h du matin. On avance le chiffre de 300 000 Irakiens civils tués et un tiers de la capitale Bagdad serait détruit. L'attaque a été massive. L'opération, rebaptisée Tempête du désert par les Américains, a un objectif simple, étrangler l'Irak pour libérer le Koweït. À l'heure qu'il est, les informations dont nous disposons font état d'une paralysie quasi totale du commandement militaire irakien. Le ministère de la Défense aurait été touché par 3 bombes, la garde d'élite de Saddam Hussein décimée. Manifestement, la coalition occidentale a décidé de frapper fort dès le début, à coups de missiles pour l'essentiel, afin de préparer le terrain à une attaque terrestre décidée à libérer le Koweït, une attaque qui interviendrait dans les prochaines heures, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que prévu. Oui, on n'a pas encore de confirmation de tout cela. Avec nous depuis cette nuit, vous le savez, le général Coppel. Ce qui est marquant, très marquant, c'est que ce sont des objectifs très précis qui ont été touchés d'abord par l'aviation. Oui, les attaques nocturnes se font en gros sur coordonnées, à la suite des renseignements obtenus par les satellites. Par exemple, les Américains ont attaqué tous les sites possibles, reconnus, de missiles, Scud, qui avaient été déterminés au préalable. Est-ce qu'on sait jusqu'où ils sont allés? On sait que c'est allé jusqu'à Bagdad, est-ce que c'est allé plus au nord? Oui. À ma connaissance, l'ensemble des sites susceptibles d'être menaçants ont été attaqués, et ainsi on voit bien qu'il y a une volonté des Américains d'attaquer tous les sites stratégiques industriels. C'est-à-dire qu'on peut supposer que les Américains se disent, si jamais Saddam Hussein arrête la guerre en disant « Ok, je me retire du Koweït », si les opérations s'arrêtent rapidement, ils voulaient être sûrs de détruire ce qui, au plan industriel, les intéressait. Ça, c'était la priorité de cette nuit, je le crois. C'est ce qu'a dit le président Bush, d'ailleurs, de cette nuit, en annonçant l'opération, on l'entendra tout à l'heure. Mais le centre, c'est quand même le Koweït, et c'est là que les avions français, au Koweït, ici, de tout près du Golfe, c'est là que les avions français ont participé à une deuxième vague d'attaques contre, là aussi, un objectif très précis. Voilà, alors là, maintenant, on tombe dans un autre domaine, c'est les attaques de jour. Et les attaques de jour, contrairement aux attaques nocturnes, se passent à vue. Il faut que les pilotes identifient leur objectif, ils arrivent le plus vite possible et le plus bas possible, mais quand ils ont identifié un objectif, il faut cabrer pour être capable de piquer dessus et de le détruire. Alors ce matin, les pilotes français ont été chargés d'attaquer un objectif très important, une base aérienne qui n'était pas équipée d'avions, mais qui servait à la maintenance, en particulier des missiles, et en particulier très probablement des missiles Scud mis en place sur le territoire koweïtien. Il faut savoir qu'il y avait au total 800 missiles Scud dans la panoplie de Saddam Hussein, et il ne faut pas rêver, les probabilités pour que tout ait été détruit cette nuit sont très faibles. Et par conséquent, quand on attaque deux jours, il est certain que les conditions sont plus dangereuses. Le corps de bataille saoudien, irakien, concentré au Koweït, concentré au nord du Koweït, est encore redoutable. Ils ont des missiles en tout genre, et il est clair qu'on ne peut pas les attaquer deux jours sans qu'il y ait éventuellement des pertes, et probablement même des pertes sensibles. Alors il n'y a pas eu de pertes, mais 12 avions Jaguar français ont participé à cette attaque deux jours en début de matinée, un raid de bombardement au Koweït. 4 de nos avions ont effectivement été touchés, mais tous ont pu regagner leur base. Isabelle Guyader. Depuis hier soir, à l'est de l'Arabie Saoudite, entre Riyad et Dahran, les 40 avions de combat français basés à Al-Assa sont en alerte maximum. 22 heures, l'opération Ouragan du désert est déclenchée sur ordre de François Mitterrand. 6 heures du matin, 12 Jaguars décollent, direction le Koweït. Les pilotes sont sous commandement américain, ce sont les termes du protocole d'accord passé cette nuit entre les États-Unis et la France. Un accord qui stipule également que l'aviation française n'interviendra pas sur le territoire irakien. La mission de l'escadrille est précise, bombarder l'aéroport d'Al-Jaber au Koweït afin de neutraliser la DCA irakienne. Elle comporte dans cette zone des missiles Scud, des missiles solaires, mitrailleuses et canons de défense. Mission accomplie ce matin pour les chasseurs français sans trop de dégâts. 4 appareils ont été touchés au cours de l'opération et un pilote légèrement blessé. À l'heure qu'il est, 10 Jaguars ont rapatrié leur base de départ, 2 autres ont été déroutés sur la base d'Al-Jubal.
J'ajoute, si tous les avions français sont revenus, que selon Associated Press, un avion britannique Jaguar serait porté disparu. Cette confirmation de l'engagement des troupes françaises dans le conflit, elle a été faite par Jean-Pierre Chevènement ce matin, vous l'avez peut-être entendu en direct. C'est lui qui nous a appris que 4 des appareils avaient été touchés, qu'un pilote avait été blessé, mais que conformément aux engagements, ce raid français s'était bien déroulé uniquement sur un objectif au sud du Koweït. Jean-Pierre Chevènement. Ce matin, une douzaine d'avions Jaguar, de bombardement et d'appui au sol, ont effectué une mission sur un objectif militaire au Koweït, l'aérodrome d'El Jaber. Je précise qu'il s'agit de cibles exclusivement militaires, essentiellement des défenses solaires sur le territoire occupé du Koweït. Il y a, comme vous le savez, un protocole qui a été passé d'ailleurs cette nuit même avec le commandement américain pour régler les modalités du contrôle opérationnel. Comme je vous l'ai toujours dit, le contrôle opérationnel implique une mission déterminée et par conséquent, les missions avaient été fixées par le général Roch Joffre et le général Schwarzkopf, approuvées par le général Schmitt et par l'autorité politique, c'est-à-dire le président de la République et moi-même. Voilà, donc avec nous Bruno Cortès. Bruno, c'est le strict respect des engagements pris hier devant le Parlement. Oui, c'est en quelque sorte le mode d'emploi de la force française dans le Golfe. Alors, la marge de manœuvre de la composante française par rapport à la composante internationale se négocie à deux niveaux hier soir. D'abord, directement entre François Mitterrand et George Bush, au téléphone à 21h, puis au niveau des chefs d'état-major français et américains. Les forces françaises ont été engagées officiellement hier soir à partir de 22h et sous contrôle allié en respectant un protocole très strict. Un protocole qui prévoit que la France ne visera que des objectifs irakiens basés au Koweït, ce qui explique l'absence d'appareils français pendant la première vague de bombardement. Et l'on précise des objectifs strictement militaires. Pour l'instant, il n'y a pas de forces terrestres françaises engagées, mais Jean-Pierre Chevènement précise, nous n'en sommes qu'au commencement du commencement. Précision supplémentaire, un navire de la flotte française de l'océan Indien va opérer sous peu sous contrôle américain dans le Golfe, un dispositif en quelque sorte qui pratique la dépendance dans l'interdépendance. À 2h30, la nuit dernière, les lâches ont attaqué par traîtrise et le Satan Bush a commis son crime en alliance avec le sionisme criminel. La grande confrontation, la mère de toutes les batailles, a commencé entre les troupes triomphantes, supportées par Dieu, et le mal poussé par Satan, qui sera battu si Dieu le veut. Les braves, vos fils et vos frères, ont fait face aux agresseurs. Ils se sont battus courageusement avec l'aide de Dieu. Le roi Fahd, le traître des lieux saints de la nation arabe et islamique, n'est qu'un criminel et sera perdant. Lui et les siens pourriront en enfer. Nous vaincrons car Dieu est avec nous. Il est avec les croyants et les mènera inéluctablement à la victoire. À peine quelques minutes pour se reposer, le temps de faire le plein des avions en armes et kérosène. Et puis, ils repartiront pour escorter la seconde vague. Le QG de l'US Air Force se refuse pour le moment à donner le bilan de ces deux opérations. Voilà une confirmation de ce que nous disait tout à l'heure Olivier Varin depuis Bagdad. Selon diverses sources que l'on a pu recouper, il y aurait actuellement des bombardements sur la région de Bagdad, je dis bien sur la région de Bagdad. Maintenant, Jérusalem, alors là, ouf de soulagement, dès que l'on a su l'impossibilité pour l'Irak d'attaquer Israël, puisque toutes les fusées irakiennes dirigées contre l'État hébreu ont été détruites aux premières minutes de la guerre. De Jérusalem, Grégoire Degnaud, Bernard Charlon. Dans une véritable guerre électronique. Patrick Hester. En fait, la guerre électronique n'a pas commencé la nuit dernière. Depuis des semaines, les avions américains en volant à proximité de la frontière irakienne ont obligé l'armée de Saddam Hussein à déclencher les fréquences d'urgence de leurs radars. Fréquences en principe secrètes, mais que les satellites d'espionnage américains et l'INT ont ainsi pu enregistrer.
Dans la journée d'hier, les navires de l'US Navy ont commencé par brouiller les réseaux de détection et de communication de l'Irak en émettant de façon massive sur les fréquences utilisées. Dans la soirée, les AWACS et les RC-135 ont à leur tour pris l'air pour compléter le dispositif de contre-mesure électronique. Ainsi, en quelques minutes seulement, le quartier général de Bagdad s'est trouvé totalement aveuglé. Par ailleurs, grâce à des photographies comme celle-ci, extrêmement précises, réalisées par leur satellite espion, les Américains connaissaient la position des objectifs stratégiques à un mètre près. Fort de ces renseignements, ils les ont injectés dans les calculateurs de vol de plusieurs centaines de cruise missiles, des engins largués à partir des stratoforteresses B-52, mais aussi depuis des navires. En volant sur 500 km en rase-motte, ces missiles de croisière ont atteint leurs objectifs avec une précision hallucinante, moins de 10 mètres d'erreur. Dans le même temps, les F-117, avions invisibles pour les radars irakiens, sont passés à l'attaque. Derrière eux, c'était le tour des F-15 et des fantômes américains, britanniques, saoudiens et koweïtiens, des avions équipés pour le combat nocturne. L'ensemble de ces escadrilles étant également armées de missiles Fight and Forget, tire et oublie. À une dizaine de kilomètres, et une fois la cible éclairée par un faisceau laser, le pilote peut changer sa trajectoire en laissant le missile détruire seul la cible. Nous retrouvons tout de suite notre spécialiste de la stratégie, le général Pessidou, qui se trouve aux côtés de François Cornet. Alors, première question, bien sûr, est-ce que les Américains, on ne peut pas dire bien sûr qu'ils ont gagné, mais est-ce qu'ils ont déjà remporté une première manche? Sans doute, mais gardons-nous de trop d'optimisme. Probablement, tous les avions irakiens n'ont pas été détruits. Certains étaient toujours dans leur hangar, d'autres n'ont probablement pas pu décoller. Il en va de même pour les missiles. Cependant, comme vous l'avez dit, grâce aux contre-mesures électroniques, à la précision des armes combinées entre celles des avions et des missiles de croisière, la première manche est sans aucun doute à l'avantage des forces alliées. Général Pessidou, la faiblesse de l'armée irakienne vous surprend ? Je ne sais pas si on peut parler de faiblesse. Disons plutôt d'une réaction qui n'est pas pour l'instant tout à fait celle qui était attendue. Est-ce que ces bombardements vont se poursuivre toute la journée et la nuit prochaine? C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer ce pilonnage massif en Irak et au Koweït? Je pense qu'on n'en est pas encore à la fin de l'offensive aérienne. Elle devrait se poursuivre et descendre vers le sud, vers la zone de front, car il faudra bien commencer à traiter les forces terrestres, à les pilonner, avant que nos propres forces terrestres puissent intervenir avec le maximum d'efficacité et le minimum de pertes. Nous vous retrouvons dans un instant, Général, et François Cornet, nous vous retrouvons. Mais la suite maintenant avec l'Irak qui aurait tout de même lancé quelques missiles vers l'Arabie Saoudite. En tout cas, l'alerte a été vécue dans l'inquiétude, surtout dans les villes les plus proches du front, notamment la grande ville saoudienne de Dahran. Nous y retrouvons nos envoyés spéciaux, Marcel Tria, Jean-Jacques Le Garec. Nous ne savions pas encore que nous assistions au dernier briefing avant l'heure H. Il était presque 10h du soir, 20h, heure de Paris. L'officier était insipide et se gardait bien de laisser filtrer la moindre information. L'information que nous appréhendions, c'est de notre rédaction parisienne qu'elle nous est parvenue. Il était minuit environ, le tuyau était bon. Sur les bases dispersées dans le Golfe, les fantômes, les F-15, les F-16, les B-52 américains, mais aussi les tornados britanniques et les jaguars français se préparaient déjà à bondir. Et puis, plus de 3 heures d'incertitude et d'informations contradictoires avant la confirmation irréfutable. Il est 3h35, c'est la première alerte sur Dahran. Appelé par les haut-parleurs de la défense passive, le personnel et les clients de l'hôtel Dahran qui héberge le centre de presse se réfugient presque en bon ordre dans les abris aménagés dans les sous-sols. C'est à peine si quelques retardataires se laissent aller à quelques instants de panique. Et si, sur certains visages, on peut lire l'angoisse de tous. Les préposés à la surveillance des abris nous imposent le port des masques et tentent de nous empêcher de continuer à faire notre métier. Peine perdue. Dans les rues de la ville, au lever du jour, Dahran ne se ressemble plus. Surgit de nulle part, sur la plateforme d'une camionnette de l'armée américaine, une poignée de soldats épuisés. Sur les trottoirs, quelques passants incertains. Presque tous ont leur masque à gaz en bandoulière. À tous les coins de rue, les patrouilles de police, plus vigilantes que jamais, qui nous obligent à voler furtivement,
chacune de nos images. 10 heures du matin, la vie reprend timidement après une nuit sans sommeil. Moi, ce que je vois quant au résultat, c'est que nous sommes piégés. Nous avons quitté notre pays pour travailler ici. Jusqu'à hier, nous ne savions pas quoi faire. Nous n'avions même pas de masque à gaz. Avec notre compagnie, jusqu'à présent, ils n'ont pris aucune précaution en ce qui nous concerne. Ils ne nous ont même pas enseigné comment porter les masques. C'est seulement en regardant la télé qu'on sait un peu ce qu'on doit faire. Un seul espoir pour eux, que les attaques de missiles chargés de gaz de combat ne puissent jamais parvenir jusqu'ici.